Nous approchons du site sur lequel le rituel de purification. Ah oh, oh très 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 bien. Qu'est-ce que c'est? Ça doit faire partie d'une ancienne cité d'influence, c'est un temple, c'est une institution. Ah très bien. Bon. Eh ben allons-y. Donc, on va pouvoir y aller, excusez-moi, j'étais. Oula, 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 qu'est-ce que. Il y a une inscription, lire l'inscription. Le temple des saisons est dédié au vénérateur des chevaliers Elitin Vigar, Monsurvela, redoutant unifié. Très bien. Partout dans notre royaume, nous honorons l'un d'eux lors de la saison qu'il représente. Mais dans ces murs, le temple nous honorons tous perpétuellement. En dessous se trouve une deuxième inscription plus récente. En la 110e année du gardien, ce temple a été rénové afin d'accueillir et de protéger une statue de purification. Ah! Quand les quatre chevaliers protègent nos espoirs par-delà la tombe comme ils nous protègent de leur vivant. Anaüs. D'accord, donc c'est la représentation des quatre guerriers, je suppose. Et il y a une énigme. Dans ce cas. Ok. Une porte scellée, deux portes scellées. Épreuve de l'hiver, très bien. Se trouve un livre, l'épreuve de l'hiver, ouvrez le livre. Parmi les chevaliers des saisons, Vigar Brûlerock était le héros nain solitaire. Même dans les combats les plus ardus, il était toujours le dernier à quitter le champ de bataille. Lors de l'affrontement final contre le grand mal, Vigar fut le dernier à tomber, succombant à une multitude d'attaques. Néanmoins, ce sacrifice permit aux citoyens d'Ilfarn de gagner du temps. Pour remporter l'épreuve de l'hiver, vous devez résister au froid. Pour commencer l'épreuve, tournez la page. Ouf. Oh, ok. Donc, il y a un malus au froid et il y a un malus. Très bien. Je vois des dégâts de froid ainsi que des monstres. Ah, il y a lui là. Il commence à être un petit peu énervant. Il y en a deux? Mais non, il n'y en a pas deux. C'est possible. Voyons ce qu'ils ont dans l'œil. Quelqu'un me protège. Oh non, Kara est tombée. Oula, il y en a beaucoup. Oula, ça risque d'être problématique cette histoire. Ça a l'air d'être le dernier. Je suppose que c'est le dernier. Non, pas encore. Il y en a encore? Il y en a combien? Oh là là, ça, c'est compliqué cette histoire. C'est le dernier. Ça. Ah, c'est fini. C'est bon. Très bien. La première épreuve est passée. Un petit peu compliqué cette épreuve. C'était intéressant. Plusieurs monstres de glace avec un malus de température et de neige. Bon. On va se reposer quand même. Épreuve du printemps. Bon, donc une épreuve des quatre saisons. C'est un petit peu si Vivaldi me lançait un combat sur sa musique. Ah, qui me dit que ce n'est pas piégé par contre? Je n'ai pas confiance. Il y a un piège quelque part. Semblera-t-il que non. Alors, la deuxième épreuve. La porte est fermée. Il n'y a qu'une seule porte. Il n'y a qu'une seule porte. Très bien.
livre du printemps. Orphelin de naissance, le héros connu sous le nom de Mantazur avait pris son nom du manteau qu'il avait hérité de son instructeur de musique. Toujours optimiste et doué en connaissances, des sorts et enchants, il était la voix de l'inspiration des chevaliers des saisons. Alors que les armées d'Ilfarn étaient mises en déroute par le grand mal, ce fut la musique de Mantazur qui leur donna le courage de résister à ses attaques une dernière fois. Pour remporter l'épreuve du printemps, vous devez échapper aux chasseurs. Oula. Échapper, mais Je comprends pas. Échapper, genre fuir. Ah, peut-être fuir. Je vais tenter de les fuir parce qu'a priori ça les dégâts ne marchent pas. Oui, à mon avis, ça doit être de fuir à chaque fois. C'est juste une histoire de fuite. On me dit échapper aux chasseurs, pas résister. Ça sert à rien, ils ont trop de force. Mon avis, c'est juste d'attendre que le temps passe. Demandez morceau de poing. Très bien. Bah, j'ai juste à attendre. Aïe. Est-ce que j'ai bien vu ou. Non. Est-ce qu'il y a quelque chose que j'ai mal compris? Échapper. Pour moi, échapper, c'est pas se faire toucher pendant un certain temps. Vous devez échapper, oui? Ok, alors attends. Je vais mettre épreuve printemps. Sur certains. Ou alors, et ce serait pas mal, je vais pas dire du génie, c'est vraiment les chasseurs qu'il faut tuer. Ah, c'était bien la statue. Semblerait-il que ce soit bien les statues qu'il faille toucher. C'était les statues, c'est bien ça. C'était les statues, je suis un génie. Oh. Je suis trop fort. Bon, au moins, j'ai compris l'énigme. Et ça, c'est très important. Du coup, j'ai débloqué pas cette porte là. Ah, la porte au-dessus. Ah, bien sûr. Bien sûr. L'épreuve de l'été. Évidemment. Que pourrait être l'épreuve de l'été si ce n'est. Ouh, joli effet de chaleur. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup ce petit effet.
attendre que tout le monde arrive. Alors, l'épreuve de l'été, voyons voir. Oh, je sens que ça va me plaire. Se trouve l'épreuve de l'été. Premier sur le champ de bataille, premier à y tomber, ce fut le tragique destin d'Elitine Garderose, le plus jeune des héros. Sa fine lame fut la première à verser le sang ennemi lors du combat contre le grand mal. Ses actions enragèrent les généraux ennemis à tel point qu'ils concentrèrent leur pouvoir pour l'abattre. La légende raconte que, bien que terrassé et renversé au sol, il a continué à blesser les pieds de ses ennemis jusqu'au moment de mourir. Pour remporter l'épreuve de l'été, vous devez rester à l'abri de la chaleur. Très bien. Restez à l'abri de la chaleur. Pas sur les coins. Ah non, il y a trop peu de dégâts. Je réfléchis en même temps que le combat se lance, mais à mon avis, le but n'est pas de combattre. Le but n'est clairement pas de combattre le golem. À l'abri de la chaleur, qu'est-ce que ça peut être? Est-ce qu'il faut attendre un certain temps? Cette chose repousse mes attaques! Que quelqu'un me protège! Peut-être qu'il faut juste attendre. Je suppose qu'il faudrait juste attendre. À mon avis, c'est pas du tout le combat. Alors pourtant, ça descend. Y a moyen. Ça va être si long. Bon, quelle garde, c'est fini. Et moi, ça va être fini aussi à mon avis. Ouais. Je pense que il faut échapper, donc attendre. Oh. Ou alors il faut l'amener. Est-ce qu'il faudrait pas l'amener quelque part? À l'endroit où tombe la chaleur, peut-être. Ah. Donc le prochain tombé, ce serait là. Exactement. Donc du coup. Ah, presque. Je pense avoir trouvé. Ah, il bouge plus. Ah non, il prend aucun dégât. Non, ça marche pas. Ça ne fonctionne pas même. Ah non, il prend aucun dégât. Il prend aucun dégât avec tout ça. Alors là, je ne vois pas. Qu'est-ce que je dois faire? Je dois simplement attendre? Non, il y a autre chose. Il y a autre chose, forcément. Je vais quand même tenter de le combattre, mais j'y crois pas. Là, il est bloqué, hein. Complètement.
Là, je touche absolument pas. Non, il y a autre chose à faire. Il y a autre chose. Il y a obligatoirement autre chose. Résister à la chaleur. Comment tu veux résister à la chaleur? Rester à l'abri de la chaleur. Je teste des choses, je ne sais pas trop où je suis actuellement. Non, et là il y a plus, et là il prend plus aucun dégât. Oh non, j'ai raté ma concentration. Non, j'ai raté ma concentration, elle est morte. Non, il y a quelque chose que je comprends pas. Il y a quelque chose que je comprends pas. Bah, je vais utiliser mon Doom maintenant en fait, je pense. Déjà, ce qu'on va faire, c'est Kara. Kara, ma grande Kara, tu vas te bouclier déjà. Voilà. Ensuite, sur toi-même. Tac, tac, voilà. Sur elle. Et sur elle. Ensuite. Et sur... ah, bouclier ici que sur elle, ok. Et sur lui. Non. Ah. Oui. Qu'est-ce qui se passe? Je suis où là-dedans, moi? Je suis là. Hop. Armure. Ah mais j'ai résistance aussi. Voilà. Tout le monde a une résistance. Tout le monde devrait être mieux là. Plus d'armure et j'ai de sauvegarde. Ça devrait mieux se passer. J'espère. Qui c'est quoi? Ah, on a oublié quel gars. Quel gars? Il manquait un truc là. Voilà. Bon. Bon. On va tester comme ça du coup. En espérant que ça se passe mieux. Je ferai quand même le don. Par si ça va mieux en effet. Parti. Ça a l'air de mieux se... Oh, ça a l'air de mieux se passer. Ça a l'air d'un peu mieux se passer.
Je dis ça a l'air parce que bon. Ah oui, ça se passe beaucoup mieux en effet. Oh bah, fallait vraiment le tuer. Waouh, ok. C'était genre zéro ban. C'est dur. Oh, fragment de gobelin de golem de fer. Ça pourrait être extrêmement utile pour la création d'un golem d'un mont fort. Faut vraiment que je m'y penche sur ça d'ailleurs. C'était assez dur. Assez dur cette épreuve. Et donc, va se dérouler la dernière épreuve, celle de l'automne. Alors, livre de l'automne, et c'est la dernière salle. Beliran l'admirable était le chef incontesté des quatre chevaliers. Après Kelitin et Mantazur eut péri contre le grand mal, Beliran confia à Villard la tâche de protéger les citoyens d'Arvan pendant qu'ils traversèrent la rivière Aywin. Quant à Beliran, elle mena le peu qui lui restait d'armée contre les légions ennemies. C'est elle qui terrassa leur commandant avant de tomber à son tour. Pour remporter l'épreuve, vous devez trouver un refuge dans la tempête. Un refuge dans la tempête. Ah, bah oui, d'accord. Ok. Alors, il y a des trucs qui ne m'apprécient pas. C'est des statues. On est. Ah. Oui, non, c'est bien ici qu'il faut vaincre. Et ça doit venir un peu tout le temps, ces saletés. Très bien. Ah non, c'est déjà fini. Eh ben, c'était bien plus simple. Je pense pouvoir dire que c'était l'épreuve la plus simple jusqu'à présent. Et heureusement, c'était la dernière, du coup. Ah, et du coup, nous arrivons à la statue de purification. Bien vu. Est-ce qu'il y a une dernière épreuve? Oh, 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 oh. La sœur. Oh. Très bien. Dans les temps anciens, le gardien fut créé afin de protéger Ilfarn. Si le temps est venu d'abattre notre instrument ultime, vous serez l'un des agents de sa destruction. Prenez cette bénédiction de purification et qu'elle illumine les ombres que vous traverserez. La deuxième partie du rituel est accomplie. Sentez le pouvoir d'Ilfarn vous investir. Découvrez la vraie forme de notre ennemi. Il sait, il connaît nos projets. Mais vous avez appris à exploiter la puissance de ce rituel, telle une barrière jetée entre vous et lui. S'il tente de la briser, il ne fera que s'infliger des blessures. Rituel de purification. Ah, lorsque vous y courez dans le menu déroulant, la fiche des dégâts ou de feu ou mort-vivant. Oh. Intéressant, intéressant ces petits noms. Ah, peut-être que ça va faire une fresque au fur et à mesure. Cependant, je suis navré, messieurs, mais je suis curieux de ce que contiennent les cassettes. Je suis curieux, je suis désolé pour tous ces morts au combat, mais équipement de magie profane, oui, bon, ça, c'est pour faire de la chimie. Une cape. On va voir si elle arrive à savoir ce que c'est. Qu'est-ce qui se passe?
Voyons voir, toi, est-ce que tu sais ce que c'est cette... Ah bah oui, je vais pas ranger, c'est ça. C'est ma faute. La cape, alors, examiner. Ne sais pas ce qu'est cette cape. Bon, tant pis. Voilà. J'en profite, j'ai un tout petit peu de rangement. Je peux le faire. Non, oui, vas-y. Ceinture, très bien. Là, à mon avis, pareil, c'est piégé. Sûr et certain que c'est piégé. Voilà. Ah, échec de désamorçage. Pas cool du tout. Comment ça, échec? Attends, 22 contre 25. Ah, bah voilà. Va falloir que j'augmente un tout petit peu dans mes stats de désamorçage, moi. Un écu. Ah, c'est pour quel gars, ça? Et ceci, il y a un piège, 100%. Oh, ceinture et hache d'armes. Oh là là là. Ça va se revendre sûrement encore des 10 000, 15 000 balles. Mais le plus important, c'est que deux statues sont désormais activées. Vous avez trouvé deux des cinq statues. Je pense qu'il doit y en avoir une dans le fort où je reviendrai un peu plus tard. Ça, à mon avis, ce sera pour plus tard. Et ça, c'est une quête actuelle. Et ça, à mon avis, ça va être assez intéressant. Ça, va falloir que je me renseigne, par contre, rapidement. Où allons-nous? Nous allons partir, eh bien, pour l'ouest, en passant par le fort de la rivière ou la mine. Je pense qu'on va terminer par le fort, on va aller à la mine. Attends, est-ce que ici je sais pas louper une statue? Ça me dirait que non. Ça n'a pas l'air. À mon avis, ça doit être 3, 4 et la cinquième doit être par ici. Quoique, j'ai quand même envie de tenter le fort, mais avec le don que j'ai reçu, ça pourrait être utile. Alors, toujours en train de se battre de ce côté. Oula, ah, oula, le jeu. Désolé, je vous rappelle, hein, version physique, quelques petits soucis de temps en temps. Non, tous sur l'ogre. Non, l'ogre. J'arrive plus à parler. Ogre. Voilà. Parfait, parfait. Et le berserk. Le berserk, ils sont dans la rage. On le sait, ce n'est pas de leur faute. Oh, potion d'invisibilité. Intéressant. De ce côté-là, c'est le fort. On attaquera par la baie plus tard. On va aller par ici, au niveau de la mine. Je commence à tester les armes. Entrée de la mine. Bien, voyons voir.